La nécessité de me couper du monde pendant quelques heures était vitale pour moi. La vie me rongeait, mes émotions me submergeaient et mon cœur allait exploser. Je me suis alors résolue à partir, avec cette envie de ne jamais revenir. Ce besoin de laisser derrière moi tout le monde, en particulier toi, de me retrouver face à moi. J'espérais un changement intérieur, profond, une lueur de vie qui renaîtrait, et c'est ce qu'il s'est passé. J'ai accepté de me laisser du temps et d'oser voir plus loin. Je me suis écoutée et je me suis accompagnée dans ce petit périple de reconquête de ma sérénité. 2 mois après, je vous écris et je vous livre ce qui a été pour moi le premier pas du reste de ma vie. Aujourd'hui, on part à Cordes-sur-Ciel, village au perché dans la roche du Tarn. Proche des cieux et des rêves, j'y laisserai mon anxiété, je vous le promets. Je vous propose de vous balader au gré du vent et de mes pas, à travers les ruelles étroites et de se perdre dans les pages et les mots de mon livre du moment, le sacré et le profane, ou comment s'élever tout en gardant les pieds sur terre. Vous l'aurez compris, ici et maintenant, apaisez-vous en quelques étapes avec moi. Je viens d'arriver à la gare de Cordes-Vendrac et je commence tout juste à marcher pour aller à Cordes-sur-Ciel. Je vais vous montrer où je suis, au milieu de nulle part. J'adore. Putain, je vais jamais pouvoir rentrer à Toulouse en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse d'être là. Je pense que c'est la chose dont j'ai le plus besoin en ce moment et qui va me faire le plus de bien. À quoi sert de voyager si tu t'emmènes avec toi? Voyager n'est pas toujours joli. Marche. Le voyage te change, il doit te changer. Il te brise même le cœur. Marche encore. Il laisse des traces sur ta mémoire, sur ta conscience, dans ton cœur et sur ton corps. C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. Putain, j'ai l'impression d'être seule au monde, c'est vraiment... J'ai envie de pleurer de joie. Je pense que je vais pleurer de joie un moment. Et de libération. C'est... Je pense pas que vous imaginez à quel point j'ai besoin de ça, genre... C'est dingue. Je suis tellement reconnaissante. Je sais pas de quoi, mais je le suis. De moi, on va dire. Ok, ok, c'est parfait. Franchement, ah, c'est génial. Ben, merci beaucoup, monsieur. Écoutez. Voilà, ah ben là, j'ai gagné un petit peu sur ma journée. C'est super. Merci beaucoup. Passez un très très bon week-end. Au revoir. Bon, j'ai un peu triché. Je me suis fait prendre en stop sans rien demander par un petit monsieur trop gentil. De base, je voulais juste m'arrêter pour enlever mon pull et en fait, il s'est arrêté à côté de moi. Et il m'a ouvert la porte, je suis là, mais c'est trop mignon! Bon, après, pendant une demi-seconde, je me suis dit, est-ce que c'est pas un tueur en série? Putain, en plus, j'étais en pleine côte là. Quand il s'est. Oh, ça recommence! Regardez! Oh putain, j'adore! Putain, mais j'adore! Je vais arrêter les cours. Et je vais faire du backpack à Cordes-sur-Ciel. Bon bref, je vous retrouve tout à l'heure quand je suis arrivée là-haut. Je suis trop heureuse, c'est incroyable. Putain. Je crois que je suis arrivée à l'entrée du village. Je vais vous montrer, c'est trop joli. Je pense que je vais passer 2 jours à monter des côtes. J'avais pas pensé à ça. Je vous montre. Pas la bonne rue. Je suis assise parce que là j'ai vraiment mal aux pieds, ça monte de ouf. J'ai l'impression d'être seule au monde. J'ai vu une mamie dans une rue. J'espère que je vais trouver une boulangerie ouverte parce que j'ai très très faim. Je vais essayer de regarder où je suis et où je dois aller parce que je vois des panneaux mais je comprends pas. Moi je suis là. Il faut que j'aille ici en fait. Donc ça monte, mais c'est pas encore l'arrivée, c'est infernal. Enfin non, c'est merveilleux. J'ai envie de pleurer de joie. J'ai pas de musique dans les oreilles. J'entends les oiseaux. Il y a personne. Et il fait beau. Ouais. Putain. J'ai ouvert les yeux sur ce monde qui m'entourait,
et tout avait une saveur différente. J'ai goûté à l'aventure et j'ai vu. J'ai vu que j'en étais capable et j'ai découvert. Découvrir et s'enrichir. Accepter de ne pas connaître et laisser cette terre nouvelle me guider. Je suis sortie de ma zone de confort. La pensée agit sur le corps d'une manière inexplicable. La pensée agit sur le corps d'une manière inexplicable. Et de sentir les minutes et les heures glisser sur sa peau. De regarder, d'ouvrir ses sens à la diversité. Les pensées apparaissent aussi au milieu des circonstances les moins conformes à elles et où elles se trouvent le moins attendues. La caméra, non mais faites Mon âme de petite fille de bouchère est actuellement mise à rude épreuve. Regardez, pardon, c'est super frais. Comment je suis censée résister? Ça a l'air si bon. Je crois que je vais faire un tour. On y va? Il y en a trop partout, il sait plus où donner de la tête, là, ça y est. Comme l'a si bien dit Georges Bernard Shaw, Madame de Sévigné, Antoine de Rivarol, la lecture, charmant oubli de vous-même, d'un stratagème qui évite de réfléchir. Sans la consolation de la lecture, nous mourions d'ennui, présentement. Oh, cette tête! Bonjour les copains, nous sommes dimanche 19 février, il est 9h. Et aujourd'hui nous allons à Albi. Je le savais, ma bulle de sérénité allait devoir prendre fin. Mais cela s'opérait avec délicatesse. Albi la Belle est mon couloir de décompression. Le juste équilibre entre travail et douceur. Rien ne sert de s'infliger la vie.
Je vous promets que le calme et la quiété sont en vous, même bien cachés. Ok les amis, il est 16h25, je suis en route pour l'Airbnb qui n'est pas du tout au centre d'Albi. Je pense que je suis à 25 minutes de marche du centre, mais bon, si on me dit pas cher, il faut être loin du centre. Je sais pas si je viens dans la bonne direction. D'accord, la carte me dit que je suis arrivée. C'est pas là. On va remonter ? Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve quand j'ai trouvé. L'entrée se fait individuellement, c'est-à-dire que genre c'est des codes dans des caches. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique. Et vu que je vais mettre 10 ans à trouver, c'est peut-être mieux. Voilà, donc je vous retrouve après. J'espère que je vous retrouve, ça veut dire que je suis vivante, sinon ça veut dire que je me suis fait tuer. Super. Putain. C'est pas 24, c'est 2A. C'est moi qui ai mal lu. Putain, c'est moi qui ai mal lu. Je vous suis. Merci. Il y a beaucoup d'explications. Alors, appartement 101. Il n'y a pas de 101. Si, là. Je comprends rien. Maman, viens m'aider. Yes. Voilà, donc ici il y a la petite kitchenette avec théière, cafetière, micro-ondes, frigo, la salle de bain qui est, je trouve, super grande pour un 20 mètres carrés. Franchement, elle est aussi grande d'ailleurs que celle que j'avais à Bordeaux, donc je suis pas dépaysée. Et mon petit lit, est-ce que c'est pas trop mignon? Je suis trop contente, c'est un lit de place, c'est trop bien. Voilà, avec la télé, putain, une petite table, ici il y a encore des placards. Et nous avons la vue sur donc la tour Eiffel, comme vous pouvez le voir. On peut entendre la mer d'ailleurs, je pense, si on fait... Oh, j'ai cogné la télé. Vous entendez la mer? Moi non plus. Enfin bon. Je suis trop contente. C'est trop cool. Oh non, mais il y a du... Attends, parce qu'il y a des... Il y a une théière, mais est-ce qu'il y a du thé? Oh non. Il n'y a pas de thé. Oh, il n'y a pas de thé. Un sachet, je m'en fous, je prends tout. Oh non, je suis dégoûtée. Enfin, j'ai rien acheté. Ça, c'est le karma qui m'a rattrapée.
Oh non, 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 non. Non, non, mais cassez-vous. Le train qui pendant 2 heures marque prochain arrêt Tessonnière, alors que prochain arrêt c'est Corde-Vendrac où je dois descendre et que du coup je suis pas prête, je suis pas d'accord. Ça filme ? Ah oui, je vois rien. Et maintenant... Non ! Ça va ? Oui, ça va. Je fais comme ça parce que j'ai pas de soutif, donc on n'est pas non plus dans un film. Je suis trop contente.